Le rossignol habite les forêts, les bois et les bosquets touffus. Mais on peut aussi le rencontrer dans les parcs, les jardins ou les vergers. C'est un oiseau timide et discret qui se camoufle dans l'épaisseur des fourrés ou des arbres. On l'entend plus souvent qu'on ne le voit et son chant mélodieux peut consoler. Suzanne sort accompagnée seulement de deux jeunes filles. Il n'y a personne dans le parc, à part les canards, les grenouilles, les lièvres, un faisan et le rossignol qui chante sur une branche basse que Suzanne aime tant. C'est un tableau du XVIe siècle, et au XVIe siècle, il faut du temps pour s'habiller. Rossignol est l'oiseau rêvé quand on a de la peine. Actéon a eu beaucoup de peine. Voici son histoire. Actéon erre dans la forêt inconnue et aperçoit par hasard l'entrée de la grotte. Il entre. Il ne fallait pas entrer. Qu'en savait-il, lui? Rien.